Comment réconcilier la main de Dieu et la main de l'homme? La clinique de Dieu a été écrite par Naed Abderrahman. Plus que toute autre discipline médicale, la psychiatrie et la psychologie sont confrontées aux questions existentielles. Naed est un infirmier en santé mentale depuis plus de 20 ans. En pratiquant son métier, il s'est rendu compte qu'il y a un choc culturel et spirituel entre sa foi chrétienne et le monde psychiatrique. Souvent, on oppose le côté psychiatrique au côté spirituel, alors qu'on pourrait y voir une complémentarité. J'aime bien cette phrase de l'auteur qui dit qu'il invite à réconcilier la main de Dieu et la main de l'homme. Naed Abderrahman a accompagné de nombreux chrétiens qui vivaient des situations de souffrance psychique et de décompensation psychiatrique. Dans ce livre, il parle de son expérience. Il a constaté que les personnes atteintes dans leur santé mentale trouvent difficilement du secours dans les églises. En tant que pasteur, je me suis demandé comment est-ce que nous pouvons mieux être à l'écoute de ces personnes. Naed a également fait des études théologiques et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il a pris plusieurs exemples de personnes connues dans la Bible et qui ont vécu des moments de crise. Il parle aussi bien de Jonas que de Joseph ou Manassé. Chacune de ces personnes nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Dans sa conclusion, l'auteur répond à cette question que plusieurs lui ont posée. N'est-il pas plus raisonnable d'oublier le passé et ses souffrances? Ou bien est-ce que le monde a besoin d'un suivi psychologique pour être guéri? Pour connaître ce que l'auteur en dit, je vous invite à lire La clinique de Dieu. Ce livre a été écrit par Naed Abderrahman. Il a été publié en 2021 par les éditions Trésor Partagé. Je vous en souhaite une bonne lecture.